revoir, les bonnes soirées. Tous les spectateurs de Terre de l'Université du Grand Caraïbe, spécialement en 22 lettres, on a de nous imaginer une soirée. Comment dire que le CCC qui se sent au culturel Caraïbe, c'est deuxième, enfin pas deuxième, on dit premier demi-finale, parce qu'il y a deux demi-finales réelles. On va avec moi. Donc c'est ce qui est édition, deux demi-finales, et là c'est le premier demi-finale là qui finit. Et rapidement, si vous voulez. Comment va-t-il faire pour deuxième demi-finale là? Bon, et deuxième demi-finale là, bon, c'est pas plus difficile parce que et, tout ça qui est des talents et approuver même tout ça. Et alors, deuxième demi-finale là, c'est encore six finalistes qui va faire. Et on a pris des trois. On a joué trois finalistes à l'Italie pour cette finale, cette finale là, avec six finalistes. Et bien, là, pas facile là, parce qu'on a des résultats vraiment qui sont suspects. Et on a pris ça de nous. Il y a plus de suspense là et dans le public là, on voit que le monde est cassé. Oui, l'Afrique est cassé. Bon, c'est toujours comme ça, mais il est cassé. Il est cassé. Il est cassé. Il est qualifié pour finale. Et avec Madame D, qui m'a depuis toujours là pour supporter. Et bien, quand ça qui fait du bien, là, ça va garder ce tiers là. Avec tout le problème qui est, vous êtes présent dans CCC. Donc, il faut supporter à tout le problème qui est. Parce que la même personne qui est tenacité, vraiment tenace, on a fait l'objectif. L'objectif, c'est pour les jeunes talents dans le salon, pour que tous les jeunes qui sont talents, gentils, pendant que les quartiers qui ont tout problème, on est prêts à des quartiers, puis il y a des jeunes qui sont en pile talent. Nous sommes là avec l'équipe qui ont besoin de personnes qui sont dans le salon, qui sont tellement, et tout le monde a dit son pote qui est arrivé à l'équipe au final. Alors, regardez les questions pour vous là. Je vais aller là et là. Au final, vous avez besoin de bien vous. Ah bon, au final, on a fait là ce culturel là. Là, il y a la nous. Et c'est un chaoué qui j'ai lié, qui j'ai noté, accueilli et attention. Et nous pas gagner l'autre côté, nous allons faire que ce culturel là. Définitivement réel. Et moi, c'est un appel pour nous regarder comme ça. Voilà. Une finaliste qui là, bon, et son photo qu'a fait entre Marie avec madame. Et c'est parti. Malaïko va prendre, ou là, Anne-Christelle, nous avons pris une photo, nous avons pris une vidéo, on est d'accord. Et vous faites partie de Finalicio, dis-nous, comment tu es content là? En effet, nous sentons que nous sommes vraiment honorés, mais pour moi, c'est que ça privé, c'est fruit, l'amour, qui a dit que nous jouons, madame, ça nous a dit maintenant, et c'est madame moi. Madame moi? Oui. Oh, vous êtes l'amour devant les spectateurs, vous êtes l'amour. C'est vraiment un bel tibou. Un bel tibou, oui. Voilà! En effet, c'est l'amour que nous jouons. Et je dis ça à chaque monde, dans ce monde, dans la rue, qui toujours encourage, qui me fait apprécier. Et ça fait du bien. Et ça vous aime pour travailler chaque jour. Et parce que nous travaillons bien pour cette action. Je vous dis merci. Et en fait, nous avons fait la vie qui, à chaque moment, rend nous si constant que vous êtes favorable pour nous. Alors, je me pose une question. Avant de performer, vous faites vous que. Situation difficile à vivre, notamment pour faire ou même pour passer par là. Et c'est une barrière qui est interpellée. Vous voulez faire un message passer. Dis-nous, je dis à l'occasion, là, dans le moment, ça, qui message vous avez pour vous savoir, surtout pour même pour passer par là, sur votre manière, je viens à votre performer. Faites-moi tout ça, bien, vous connaissez que vous écoutez, vous voulez décider à vous. Il y a des gens qui font la caillou, par exemple, quand je mange mon lait blanc, mais lorsque la caillou, tant que vous êtes dans la rue, vous ne vivez pas. Mais lorsque devant ça, on a un monde, il a dit aujourd'hui, on m'a fait dire que quoi? Ou bien que m'a fait bien, nous sommes en mesure de contribuer. Réalité, elle est difficile, qui est rude. Lorsqu'on a pas eu, on a pas eu, on est obligé de quitter. Là, comme ça, on a pris tous les petits mouns, courage. Parce que depuis qu'il a avec l'espoir, continuez à rêver, continuez à lutter pour que la situation lui change. Il n'y a pas de soucis, mais il y a une passion, ça a privé de changer, tôt ou tard. Tôt ou tard. Okay. Merci beaucoup. D'accord. Et nous, c'est au. Succès. Merci un peu. Voilà. On va continuer. Mais là, moi, Patrice Salomon, qui a pris une photo là, vous ne pouvez pas la Patrice. Je ne parle pas Patrice, non. Patrice qui est toujours à. Patrice qui joue avec. Patrice qui joue avec. Voilà, merci beaucoup, ingénieur. C'est Browns, Patrice. Comment ingénieur encore? Browns.
It's in the brands. Pas de ça qu'a fait même si nous faisons plein de. Là, on t'amène et mon cher, son plaisir beaucoup avec moi là parce que nous faisons belle bagarre et heureusement, nous avons Jean Philippe Assouet avec toute l'équipe là. Sont présents, nous sommes ça que fait là, on peut participer là-dedans de la façon pour. Donc, nous content même, c'est toujours un plaisir pour nous répondre aux questions. Bonne pose une question, Patrice. Comme animateur, un beau show comme ça. Tout le monde a regardé, il y a suspense, quand il y a vous et vous, quand il y a pas l'empile, parce que, Babli, là, il y a une bagaille de l'euphorie. Mouna, même si l'artiste parle là, pas de résultat escompté, mais le fait que c'est fanatique, il oublie tout petit détail ça, le plus souvent. Ou même comme animateur, même. L'homme vit barré, ça dit, dis-nous comment sent-tu, Patrice? Qu'est-ce que tu as dit, tête ou en l'air? Sincèrement, je toujours vivre avec un peu d'émotion. Ça, parce que logique là, c'est que. Dans tête pas, j'ai toujours l'impression que tout artiste a presque même chance de réussir parce que tout a un talent. Et lorsqu'il y a des situations où il y a un paquet d'artistes qui font, qui chantent, qui performent, et pour parler à la fin, même au même tout, comme animateur, on ne peut pas l'exprimer à public là, mais au bon bagage qui est dans la tête, au même tout comme animateur. Donc, en pile fois, j'ai toujours senti même émotion que le public a gagné à le traverser. Mais après, j'ai toujours pris le dessus parce que je suis présentateur, j'ai obligé d'arrêter dans le juste milieu, même toujours fait mal de regarder des artistes qui. Un paquet de sacrifices qui va être tout eux-mêmes sur le plateau pour regarder dans la fin de soirée qui est obligé déçu et qui est fanatique tout est déplacé qui vient assister et puis qui a rentré tout Baudou, si vous voulez. Donc moi j'aime toujours vivre avec un pile déception mais me comprendre que son émission son show faut que les gens qui rentrent faut que les gens qui allent. Alors évidemment pas là voilà ma vous régime c'est parce que moi artiste alors vous dites quartier qui est un fémunio véritablement artiste qui est taillé en dedans yo qui pas peut-être confirmé. Et là, on regarde tout le monde qui a pris une photo avec l'artiste qui nous mettait projecteur sur lui. On regarde ça, mais certainement, on dit, yo, je suis fier de Podium Quartier, je suis fier de Radio Télévision Caraïbe. Je suis fier de Podium Quartier, je suis fier de Radio Télévision Caraïbe. Merci pour mettre parole dans mon chemin. Mais je suis fier surtout de eux-mêmes, tout. Qui comprennent que Podium Quartier, c'est juste une plateforme qui offre bien eux-mêmes. Et que tout le travail là, après Louis Réal, Patrick Poussignac, PDG nous, et Marc-Greg Anderson, eux-mêmes, tout, qui a contribué à notre travail là. Et ils comprennent qu'il faut que tu mettes tout le même dans la balance tout, pour que tu fasses rêve que tu aies envie de réalité. Parce que pas seulement suffit pour un talent, mais l'on finit un talent et pour qu'on plateforme dans le composant de quartier, qui est une bonne possibilité pour le monde gado, ou même tout, il faut saisir chance ça. Et parce qu'en pile l'année, pendant 6 dernières années, qui comprennent ça et c'est ainsi que nous gagnons qui percé. Après chaque participation, nous gagnons qui percé. Dernière question m'a posé parce que je faut qu'on nous va le couper. D'entrée de jeu, vous parlez de situation qui est difficile, ça va douer, fait que nous-mêmes, les gens qui ont un projet, les gens qui travaillent, pour travailler parce que c'est une situation difficile pour nous montrer que nous avons véritablement talent ou bien projet nous croyons là-dedans. Un, deux, trois. Et un petit mot pour les gens qui sont dans une situation difficile dans le moment. Nous voulons dire un seul bagage. Nous voulons dire que nous n'avons pas qu'à utiliser Podium Quartier pour nous guérir blessures, pour nous consoler à 100%. Mais nous utilisons la plateforme seulement pour nous dire que malgré la situation difficile à vivre, malgré les gens qui sont dans ce moment-là, il y a espoir toujours. Haïti n'est pas fini. Et tout autant que les gens qui vivent dans le pays, ça. A toujours une raison en plus pour nous continuer à exister. Parce que de toute manière, tout le monde n'a jamais quitté le pays. Il faut que les gens qui étaient et les gens qui ont été, on a dit au courage, qu'ils sont là, pour nous quitter avec eux, ne pas ici en camper derrière eux, ne pas souffrir pour compte. Comme on l'a dit déjà, et y a un support nous. Il y a tout support nous. Et nous voyons toute sympathie nous, tout le monde qui tombe malheureusement. Et on a continué, on a dit tout le monde qui a des âmes, qui a terrorisé la population pour déposer des âmes. Parce que le pays a assez de problèmes. Il y a trois personnes qui mourent, trois sans couler dans le pays. Nous avons besoin qu'on y a, pour nous vivre en paix à Kaino et pour nous continuer à bailler pour nous avoir une quartier chance pour nous mettre des projecteurs sur les jeunes qui sont talents de la vie. Merci beaucoup, Patrice Salomon. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci. Voilà, Patrice Salomon, présentateur, Yuna, présentateur vedette Podium Quartier avec Mac Anderson Bega et Anne-Christelle Joseph pour passe-temps et puis Malaïko Sénégal, 22 live à la télévision Caraïbe. Merci beaucoup, oui, là. Il m'a balancé, on est monté en coûte, mais c'est notre genre retourné pour nous avancer parce que son bout de cul tonton. Merci en pile, nous avons besoin de la visa qui était possible, avec caméra, réalisation, Malaïko Sénégal, pour la télévision Caraïbe, pour passe-temps, Anne-Christelle Joseph, et nous-mêmes qui avons gardé sous réseau grâce avec Jobo, la maison de télévision, Ronald Darol, Jean Dalmien, Junior Saint-Ange, Junior Ferdinand Pédou, Original Obelson, toute équipe là, toujours mobilisée, pas oublier, non pas M. Grégory Jean-Philippe, passe-temps, sans filtre 22 live, pour la télévision Caraïbe, bye bye.